Et que Stone révèle ce qu'il ferait s'il était le patron de Red Bull Racing. Et que Stone aurait déjà mis Tsunoda dans la RB20 il y a deux courses à Austin. On saurait alors maintenant si le japonais est vraiment prêt à se battre aux côtés de Verstappen. Des rumeurs ont suggéré que Red Bull souhaitait voir un autre pilote que Perez aux côtés de Verstappen pour les trois derniers GP. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure ces rapports sont vrais. Tsunoda aura l'occasion de tester la Red Bull à Abu Dhabi après la saison. Bortoleto, il parle de lui. Le père de Bortoleto nous a remercié pour notre aide dans le transfert de son fils Gabriel chez Audi Sauber. Nous avons ouvert quelques portes là-bas. Le plus important maintenant est que Bortoleto trouve immédiatement un appartement près de l'usine. Bon, ça ne doit pas être trop difficile, hein, pour le coup. Voilà, et que Stone, qui ouvre toujours des portes, même si il n'est plus dans le monde de la F1 vraiment, il a encore de l'influence, mine de rien. Quant à Tsunoda, moi je pense qu'il sera jamais chez Red Bull. Au mieux, il restera chez WEKA l'année prochaine, et puis après, bye bye, hein, à mon avis, ça va se finir comme ça. Allez, ciao!